Les gens de Repentigny, ouais. Vous pouvez vous, vous rapprocher un de l'autre. Les gens de Repentigny, vous êtes venus à la manifestation. Pourquoi c'était important d'être ici aujourd'hui? Ben, c'est important parce que malheureusement, l'argent mène le monde. Puis ce qui se passe, c'est des injustices qui ont rapport à ça. Ça nous touche, ça influence dans nos vies direct. Donc l'argent mène le monde, les injustices qui touchent finalement les citoyens dans leur vie. Hein? Ben, c'est que les gens qui possèdent l'argent, entre guillemets, font rouler la planète. Puis nous, les citoyens, on ne va pas forcément payer pour leurs erreurs avec nos taxes, etc. OK. Et pour vous, c'est pourquoi c'est important de venir ici aujourd'hui? Un peu la même cause, c'est qu'on est tous des humains, et malheureusement, c'est pas normal, puis on l'a toujours dit, mais ça sera jamais normal qu'il y en ait qui mangent pas, puis qu'il y en ait qui mangent. Je veux dire, on est tous des humains, on meurt. Je crois que les gens ont tous besoin d'une égalité. C'est anormal qu'en 2011, le monde soit aussi dégueulasse qu'il l'a été, je sais pas, ça fait des siècles, mais il y a toujours une égalité, c'est pas normal. Donc les inégalités en 2011, vous les dénoncez finalement? Ah oui, absolument, puis bon, ok, en Amérique, le capitalisme, c'est omniprésent, mais un jour, faut agir, puis Donc le capitalisme qu'on vit en Amérique actuellement, vous le dénoncez? Ah oui, absolument. Ok, qu'est-ce que vous proposez à la place? À la place? Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup, mais... Ouais, il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup d'opinions divergentes. Okay, c'est assez comme ça, vous avez mieux éclairé. Quelles sont les alternatives que vous voyez actuellement là, pour que le système soit plus juste et équitable pour les citoyens? Ben, une chose est sûre, il y a un dicton qui dit « Think globally, act locally », que j'aime bien. Ça veut dire faut avoir la pensée globale, mais faut agir localement dans un milieu qui est à notre portée. Puis je pense que c'est justement le problème de l'économie en ce moment, c'est déconnecté du peuple. Puis être connecté du peuple, avoir une pensée globale, mais une action locale. Exactement. OK. C'est ça, je pense, selon moi. C'est de s'entraider. Hein? C'est de tout le monde s'entraider. Arrêtez de penser que le système est mené par, par l'argent. Puis, Essayer de s'entraider et de ne pas laisser l'argent finalement mener le système. Exactement. C'est un peu utopique, mais penser un peu plus à l'amour, c'est déjà une bonne chose. Penser plus à l'amour des gens. Parce que une chose est sûre, selon moi, c'est que c'est un virage qui va devoir arriver. Parce que le système capitaliste actuel, c'est basé sur la croissance infinie, l'accumulation de profits à l'infini, sur une planète aux ressources finies. Donc forcément, un jour, ça va devoir changer, qu'on le veuille ou non. Donc vous soulignez le fait que la croissance ne peut pas être toujours infinie et que la planète est finie, les ressources sont finies. Et voilà. Mais soit on fait le changement par nous-mêmes, soit un jour, ça va nous péter d'en face. Parce que justement, on n'aura plus d'eau, on n'aura plus une qualité de vie normale. Déjà là, que c'est une pente descendante en ce moment. Donc, on a intérêt à se prendre en main à ce moment-là. Exactement. Absolument. Et voilà, pas se prendre en main. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Oui, on veut pas réaliser aux gens. On veut que les gens réalisent. Mais les gens le savent déjà, mais les gens n'osent pas des fois agir. C'est dommage. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais c'est que c'est pas tout le monde qui a le temps ou qui pense qu'ils ont un pouvoir face à ça. Mais on a tout un pouvoir. C'est nous, la société, dans le fond. Là. C'est chacun de nous, puis nous collectivement. Mais c'est nous qui a le pouvoir.